Yo 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 les gars, ici des geeks, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo PVP en direct du serveur Arcanis. Je sais que vous me l'avez demandé, donc je le fais, j'espère que ça vous plaira. Donc vas-y, je vous présente les deux persos qui se sont aggro. Donc il y a Sadida qui se nomme Farah en 12 PA 6PM, de gros gros résistants. Ça va être un bon combat, je vous le dis les gars. Vous allez rester jusqu'à la fin, ça va être un bon combat. Alors en 12-6, ah ouais, énorme résiste comme vous pouvez le constater. 40% terre, 39% feu, 39% eau et 46% air. Et de l'autre côté, elle se bat contre un panda qui a des résis aussi cheat, même beaucoup plus cheat. 50% de résis partout. Par contre, je peux pas vous dire en panneau exactement comme il est. Donc, Ah non, c'était un sort qu'il avait lancé qui lui a donné des risques. Ma bad les gars, je suis désolé. Donc avec son truc là, il remonte quand même à 50% de résis, c'est assez impressionnant. Donc là, le combat il est en faveur de la Sadi jusqu'à maintenant. Donc là, ça dit, elle a pas peur à l'avance. Elle veut le rush au max. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le panda? Ah, je vais le truc en bas. Je suis désolé. Bon, voilà. Donc, stabilisation. Arc de cut attack, moins 457. Ah ouais, ça lui sert vraiment à rush. Donc, oula. Ça dit, elle en prend à son tour aussi. Elle en prend. Des baguettes mythiques là, critique, ça pique. Par contre, je sais pas le nombre des PA, je pense que c'est 3 PA les baguettes. Je suis pas sûr, les gars. Donc voilà, le panda qui veut vraiment qu'elle reste loin pour continuer à faire ses armes de gun attack qui font de plus en plus de mal, moins 675. Voilà, la Sadida elle est affaiblie au max. Donc le panda, je pense qu'il est R. Ouais, R. Et là, ça dit, je pense qu'il est feu, un truc comme ça. La baguette. Bah, les gars, je me cache pas que je suis pourri en PVP. C'est pas vraiment mon truc. Mais puisqu'on va me demander en faire, je le fais. Donc voilà. C'est un peu normal que je connaisse pas trop Donc j'improvise tout les gars, ça m'échappe. Donc les grosses panneaux, voilà quoi. Donc la Sadi qui a passé en marbre et qui s'est encore fait relancer par le panda. Le panda qui joue sale, énormément sale. La Sacri tout d'un coup, et voilà. Elle se désenvoûte. Elle continue le rock sur le panda à distance. Par contre, la ciel avec. Ouais, voilà. Bien joué, l'arbre. Là, il est bien dans la merde là, pour la toucher. Je pense qu'il l'a pris. Est-ce que c'est possible qu'il est ici? Je pense que. Ouais, voilà, avec vague à l'âme là. Assez cheap quand même. C'est sur une case de 3. Ouf. La sacrée. La Sadi qui tombe à 673 points de vie. Et le panda, il est toujours à 1980 points de vie. C'est pas encore fini, c'est pas encore joué complètement. Donc là, ça dit qu'il essaie de se régénérer un peu et qu'il lance des larmes à moins 170, c'est assez bien. Voilà, lui a caché la vue pour les vagues à l'âme, bien joué de sa part. Je pense qu'elle va essayer de rester là, se régénérer et elle va foncer. Ouais, voilà, le panda qui avait pas le choix de tuer son poids de son comment on appelle ça. J'ai oublié les gars. J'ai oublié le nom du truc. Donc ouais, l'échec critique, il doit rage, picole. Il a essayé de lancer picole et ça fait. Donc voilà, moi 1 PM sur le panda. Je pense qu'elle va continuer à. Je pense qu'elle va essayer de se régénérer sur le. Sur là. Voilà, elle se cache. Elle la joue safe, énormément safe. Voilà la gonflable. Connaissance des poupées qui va lui permettre de continuer
à évoque et de régène. Voilà, là, elle remonte tranquillement à 524.5. C'est pas assez, c'est pas assez. Si le panda, voilà, il la trouve. C'est mort, mais elle joue très bien, elle cache les points, elle cache les vues. Oh, mais voilà, quoi. Je pense que c'est fini pour elle. Oula, 61.2, excusez la TPA. Non, la chatte, oh la chatte, la Sadi à la chatte. La Sadi, elle est chanceuse. Ouais, voilà, elle tente de tout pour le tout. Je pense qu'elle elle sait que c'est fini, mais elle tente de tout pour le tout. Elle revient fière, elle revient piquer avec ses backsets. Et c'est gagné pour le panda. Alors, on n'est pas sûr, mais ça m'étonnerait que ça soit pas fini, voilà. Donc, le premier défi a été gagné par California Dream. GG à toi, mec, bien joué. Par contre, la Sadi, elle a bien joué à la fin quand même. Voilà, elle a essayé de cacher les lignes de vue, mais malheureusement, le panda, il a bien joué avec ses vagues à l'âme. GG à lui. Donc, les gars, on se retrouve pour le prochain défi. Allez, à tout. Bon les gars, donc aujourd'hui vous allez tout simplement avoir un seul collision, aggro, puisque après avoir cherché environ 1 heure à 2 heures, je n'ai pas trouvé d'autres intéressants à vous présenter en plus de celui que je viens tout juste de vous présenter. Alors tout simplement les gars, tout simplement à une prochaine vidéo, épisode 2 du PVP. Tout simplement. Allez les gars, gardez la forme, gardez la pêche, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire, vous connaissez la chanson. Hein. Alors, bye les gars, gardez la forme.